temps, bon, il est 21h10, c'est pas grave. On est entre nous, step by step sur KMT. On va s'amuser dans l'émission Le Squat TV. Un maximum d'amour, s'il vous plaît. Ce soir, notre invité, c'est Morgane Edwige. Un maximum de bruit pour elle, s'il vous plaît. Sur le parcours de la première dauphine de Miss France. Aujourd'hui, l'émission aussi sera axée sur le 22 mai, bien sûr. Notre tambouillé, c'est ça, tambouillé? Yes, Kevin Barclay. Tambouillé Kevin Barclay est présent avec nous. On peut l'applaudir aussi. Et du coup, bien sûr, on a prévu une question pour vous sur le thème, bien sûr, du 22 mai. Chez les jeunes, le 22 mai est-elle une date importante? Puis, la deuxième partie, c'est bizarre parce que Morgane est avec nous. J'aime beaucoup, on parle Miss. Mais bien sûr, la deuxième partie, on parle sexe. Donc, je ne sais pas quel est le rapport, mais bon, c'est pas grave. La deuxième partie, on parlera sexe dans cette deuxième partie de l'émission. Combien de temps doit durer votre rapport sexuel? Voici la question. C'est une question pour Jason, ça. Ah. Je ne sais pas. Bon, les amis, vous savez quoi? On commence avec le proverbe du jour. C'est parti, allons-y. C'est ça? Je sais pas, je suis perdu dans cette émission parce qu'en même temps, c'est entre. C'est ça? Hein. C'est ça? Ah, c'est ça. Oui, générique, allons-y. En mode sans parlant. C'est pas grave, on est en modulation. Allons-y, j'aime beaucoup. Julien en train de me regarder. Bon, les amis, on commence avec le proverbe du jour. Oh, bien sûr. Oui, bien sûr. Allez, on écoute Mamie Marie, c'est parti, allons-y. Et les squatteurs, vous allez bien? C'est Mamie Marie. Assirez pas peut-être. Notre proverbe du jour, fox soigne maman pour péniche là. Alors, est-ce que. Luana. J'en peux plus. Attends, faut que soigner maman pour péniche là? Oui. C'est maman, pas maman. Maman, 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 maman. Ah, maman, y a pas le. Non, c'est pas maman, ouais. C'est la maman de la personne. Y a pas le en. Oh, merde. Ça te parle? Il faut bien s'occuper de l'arbre qui fait le fruit. Mmh. Pas mal. Pas mal. Aussi pas mal. Bon. Allez. Pas mal. Kevin. Faut profiter des personnes qu'on aime le plus pour ne pas qu'elle, pour qu'on garde de bonnes relations. Non. Qui est-ce qui a une idée, Tijo? Ben, en fait, l'arbre qui fait le fruit, oui, j'aurais dit, bon, si tu veux amadouer l'enfant, il faut prendre soin de sa maman, un truc comme ça, c'est ça que j'ai. J'ai une idée, mais je pense que c'est la même continuité, justement. Allons-y. Je pense que un garçon qui veut avoir une jeune fille, quelqu'un qui le convoite, ben, il va justement flatter les parents. Ah, je crois à la réponse. On écoute la réponse de Marie-Marie. Allons-y, c'est parti, on écoute. La moralité de ce proverbe, pour épouser une femme, il faut d'abord courtiser la mère. On se dit à lundi prochain, même heure, sous KMT. Merci, Marie. Merci pour l'astuce. Merci. Ah, Tijo va l'utiliser. C'est du lourd. Mais vous savez, moi, le problème que j'ai avec ma grand-mère, c'est que pourquoi elle veut chanter toujours à la fin, tu sais? On se retrouve vendredi prochain sur KMT. Elle veut faire des vocalises, mais il faut arrêter, mamie. Franchement, il faut arrêter. Alors, ben, du coup, est-ce que vous pensez vraiment que maintenant, eh ben, on doit faire ça avec les parents? Est-ce que dans les relations là, que vous connaissez? Oui. Mais bien sûr. Oui. Oui. En fait, tu vas jamais laisser ton enfant partir avec quelqu'un que tu n'as pas confiance. D'accord. C'est pas possible. Alors toi, par exemple, dans une relation, tu es obligé de passer voir la mère pour savoir si la validation, quoi. Pour moi, si les parents ne sont pas en bon accord avec moi, ça continue jamais. C'est pas possible. Ah ouais? D'accord. Luana n'est pas trop d'accord. Hein. Ouais. Non, moi j'avais juste. Je tenais juste à dire que Lionel connaît bien cette technique. Ouais.
Tu pratiques avec toutes les mamans. Hey voilà. Avec, ça veut dire quoi? Oui, que tu, la maman de Kevin, ah, la maman, oui, d'accord, okay. Ça, ah, voilà. Oui, dans une relation amicale. Les tatis, tout oui. Ça, ouais. Une ouais. Relation les femmes et toi, une grande histoire d'amour. Ah, bien sûr, bonjour à toutes les dames que je rencontre. D'ailleurs, pour vous dire, ah, voilà. Avant l'émission, je suis allé dans un supermarché. Il y a une dame, j'étais en stress, en train de courir. Il restait peut-être une heure avant l'émission. La dame m'a dit, mais t'inquiète pas, mon chéri, à 21h45, ton émission commence, tu as le temps. Donc c'est pour vous dire, les femmes m'aiment beaucoup. C'est l'homme dire. Du peuple. Oui, je suis l'homme du peuple, c'est ça, même. Exactement. Bon, on commence avec la première question. Il y a 171 ans, pardon, la Martinique se souvient du 22 mai 1800. 48. Ah, très bien. Jour où les esclaves se sont défaits de leur chaîne, entre conférences, marches, retraites ou encore flambeaux, vie, débellés et autres manifestations symboliques, le 20, 21 et 22 mai, quand même, la Martinique entière commémore l'abolition de l'esclavage. On est quand même d'accord. Mm-hmm. Du coup, il est vrai que ce jour reste important pour tous, mais est-ce que vous pensez que chez les jeunes, le 22 mai reste une date importante? Qu'est-ce qui veut commencer? Alors, une petite info, vas-y. C'est pas le 22 mai. Elle est arrivée en Martinique le 22 mai. Mm-hmm. Mais c'est le 27 avril 1848, mm. Où la date de l'abolition de l'esclavage. C'est vrai, c'est un grand point jusqu'à. On est content, il a marqué les paroles. Non, mais franchement, faut dire que les réunions, ça sert beaucoup. Très bien, d'accord. Alors, du coup, est-ce que tu penses que les jeunes. Alors, c'est une date importante pour les jeunes. Pour certains jeunes, en fait. Pour certains jeunes, ils vont se sentir, comment dire, collés pratiquement à ça, parce que 400 ans d'esclavage, c'est lourd, mm-hmm. Et ça reste quand même dans notre culture. Exact. En fait. Et je pense que pour certains jeunes, oui, c'est important encore. Très bien, d'accord. Luana? Alors, je ne vais pas parler en général, mais en tout cas, dans la sphère que je fréquente, voilà, mm-hmm. les jeunes que je fréquente, non. C'est pas une date qui... Oui, enfin, le 22 mai, quand ça arrive, par exemple... Mais dans... non. Ok, vous n'êtes pas là en mode... C'est un jour férié, on va en soirée. La veille. Oui, la veille. Regarde que... La tête de Tijou. J'adore. T'es sérieux? Eh bien, le mardi soir et le mercredi. Alors, le mardi soir, on fait une soirée. Puis le mercredi, c'est une garden ou bien midi, minuit. Oh là, d'accord. On va tout... Si tu es mis tout ça, les gens, ils vont nous... Oui. Non, sérieusement. En fait, je pense que ça part des parents. Ça part des parents. Si tu n'éduques pas ton enfant à ce jour-là, ah oui. Faire un truc, je sais pas, aller, je sais pas, au rond-point du Vietnam héroïque, et puis commémorer ça, si tu n'instaures pas ça, l'enfant pourra jamais. C'est vrai que ce jour-là, on est plein à connaître ce jour-là en date. Mais à se dire, ouais. Comme dit Luana, on va à la garden, quoi. Ah ouais. Il y en a plein. Donc vous allez, toi tu vas à la garden aussi? Pas du tout. Ah, c'est ça, mais enfin, vous y j'y travaille. Parce qu'en étant jeune, en fait, on oublie la symbolique de ce jour. Parce que par rapport à nos grands-parents qui l'ont vécu, ben, nous, on est beaucoup plus loin et on n'a pas cette même proximité qu'ils ont eue avec justement l'abolition de l'esclavage. Mais après, je pense que... Mais après, c'est que nous aussi, on ne fait pas l'effort parce qu'il y a plein de choses qui sont organisées le 22 mai, comme les expositions et tout. Ouais. Et c'est que vraiment, on n'est vraiment pas sur pourtant, ça et c'est juste... Une journée de plus de vacances. C'est vrai, et surtout qu'en plus, il y a quand même de la sensibilisation. Pardon. Kevin. Quel mot compliqué. Oui, alors moi, je dirais, heureusement que la famille est là. Parce que moi, je vais jeter la faute contre l'éducation nationale. Parce que, excusez-moi, mais dans nos programmes scolaires, à part dans les petits repères d'histoire géo en troisième pour le brevet, on n'a jamais entendu parler du 22 mai. La veille du 22 mai, on ne parle pas de ça. Le lendemain, on en parle vite fait, parce qu'il faut en parler, mais on n'en parle pas assez pour moi dans les écoles. Et je pense que c'est dommage, parce qu'en vrai, c'est une date très importante pour nous. Et je trouve que, par rapport à l'école, on ne connaît pas assez notre histoire. Moi, sans vous mentir, je vais être honnête, hein, les deux dates les plus importantes pour moi, les deux dates que je connais le mieux, c'est la date de l'éruption de la montagne Pelée, donc le 8 mai, et puis le 22 mai, c'est tout. Et encore, je ne connais pas toute l'histoire, donc je trouve qu'au niveau des écoles, on ne nous parle pas assez de ces dates-là, et c'est à cause d'eux principalement. Kevin, à ce moment-là, il faudrait faire un programme pour les DOM. Ah ben oui, c'est ça qu'il faut faire. Non, parce que, mais je ne suis pas d'accord. Ah, non, pas pour les DOM. Pas pour les DOM. Pas tout le monde. Pardon. Donc la France est tout à fait capable d'apprendre aussi l'histoire des DOM, les DOM-TOM, parce que ça fait partie... Du coup, de la France, enfin, on la France. Mais chaque dôme a sa propre histoire. Donc, alors, si c'est ça, donc il y aura une histoire pour Midi-Pyrénées, il y aura une histoire pour Rhône-Alpes, donc on va diviser chaque truc. Mais c'est pas assez parti. Non. Chaque région a sa propre histoire. Chaque région. Il faut jouer avec Miss France, d'ailleurs, Miss France, il sera là tout à l'heure. Alors, on va recentrer le débat. Oui, chez les jeunes, la première est-elle une date importante ou pas? Alors, de mon point de vue, je rejoins Liana en disant que non.
Parce que ça fait quelques années que je vais au rond-point et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Je me sens pas seul, mais je regarde autour de moi. Je suis peut-être, tu vois beaucoup de personnes. Exact, beaucoup de personnes, je ne dirais pas âgées, mais des personnes mûres. Et pour répondre à... pour répondre à Kevin, alors bon, après c'est propre à chaque école. Mais moi je sais que j'ai toujours fait la veille du 22 mai, il y avait une petite animation de l'école, il y avait une station au Bel Air, etc. Donc, et je réponds à ti, je suis dans le même ballon. Tu as dit par rapport aux parents. Il faut savoir que l'éducation, les enfants, ils choisissent de prendre ou de ne pas prendre. Si tes parents, effectivement, t'ont inculqué ces valeurs-là, mais que tu arrives à un stade de ta vie, au lycée par exemple, ou sincèrement, ce que tu as appris tes parents, tu vois pas l'intérêt ou tu, justement, ton éducation se fait justement à l'école, tu n'as pas forcément avoir cette volonté de mettre en avant ta culture ou d'aller au Rumba du Vietnam ou d'apprendre à jouer du tambour ou de faire du ballet. Il y a qu'à avoir dans les groupes de danse folklorique, il y a 20 filles, il y a 3 garçons. C'est vrai. Voilà. Après moi j'ai généralisé la situation. Je trouve qu'en général dans les écoles, bon, on n'en parle pas assez selon moi. Voilà, j'exagère un peu. Moi si je me rappelle bien au primaire, pardon, on te fait une initiation ballet, obligatoirement. Oui mais vite fait, je l'ai eu, mais pour moi, je l'ai eu, mais je n'avais pas retenu. À cause du programme d'histoire, on pense que nos ancêtres, ce sont les Gaulois. C'est pour ça qu'on a fait un Vaval. Voilà. Donc le public pense à 70% que oui. La date est importante et non à 30%. Très bien, d'accord. Tu voulais dire moi, je disais que moi qui n'ai pas, fait mes études ici, je n'apprenais pas l'esclavage qui s'est passé en Martinique, Guadeloupe. C'était très vague. On survolait. Ça veut dire on disait il y a eu l'esclavage, boum, bam, on a fini, on passe à autre chose. Très bien, d'accord. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un manque au niveau de l'éducation, mais j'espère que ça changera pour l'année prochaine. Si mais vous c'est, revoir, c'est dans le programme, hein, quand même. Ça oui, mais moi, je sais, mais ça. C'est dans le programme. Après, chaque prof fait sa pédagogie. Voilà. C'est vrai. Mais c'est inscrit dans le programme, mais ça, vous ne pouvez pas le nier. Oui, exactement. Alors, on peut quand même noter aussi que beaucoup de manifestations ont lieu pour commémorer ce jour. Donc, du coup, le 22 mai, on peut se donner rendez-vous au rond-point. Oui, bah, moi, c'est l'endroit que je connais le mieux. Rond-point du Vietnam, oui. À partir de quelle heure, à peu près? 9h30-10h. Bon, alors, n'hésitez pas à venir et vous rompre du Vietnam. Il y a aux fraîcheurs aussi, surtout. Exactement. Et puis partout, aussi. Hein, en fait. Ouais, vous savez quand même qu'en Guadeloupe, c'est pas le 22 mai. Le 27 mai. Très bien, d'accord. C'était juste pour ça. Exactement. Bon, et du coup. Et en Guyane, c'est quand, du coup? Sorry. Hein? En Guyane, c'est quand? De mon accord. Pas comme je vous disais, Lionel et les mamans. C'était une petite blague, les gars. Oui. Alors, du coup, on va faire un jeu qui sera le meilleur tambouillé. Alors, du coup, on fait Fauzia et Tijo, c'est ça? Non. C'est pas Jason? Non. Allons-y, on fait le jeu. Allez, viens Tani, tu peux mettre. Vas-y, viens ma chérie. Vous allez mettre la jeune fille à Californie. Non, c'est soit tout tambouillère, soit t'es pas. Comme une princesse, Fauzia, sur le côté. Alors, du coup, on fait un test. On laisse Fauzia commencer quand même. Ah. Hein? Tu veux que je tienne pour toi, papa? T'inquiète, c'est bon. Tu veux une chaise, sinon? Oui, c'est bon. Tu veux une chaise, Jésus, non? Allez, allons-y, on écoute pour voir Fauzia pour savoir qui sera le meilleur tambourier. Kevin, c'est toi le président. On a une petite boîte. T'es sûr que t'as une boîte? On y va, les gars, c'est parti. Mais oui, c'est bon. T'es sûr? Voilà, ouais, tu joues. Oui, merci. Je pense vraiment que si Emile se retourne dans sa tombe. Je pense que il vaut mieux que tu ailles au prêcheur, sinon Grand Rivière, essaye d'aller dans les hauteurs. Fauzia dit attendre. Non, alors vas-y, remets. Je pense qu'il faut arrêter. Moi, je mets là. Merci. Allez, Tijo, on écoute Tijo, c'est parti. Attends. Ah oui, là. Continue. Attends, pourquoi j'ai ça sur... Faut ça peut-être aller. Du coup, on peut laisser les tambours. Enfin, hein, je pense qu'il faudra quand même aller au prêcheur, vraiment. Ou du coup, faire peut-être une initiation belée avec Paco qui va t'emmener. Avec plaisir.
faire. Elle a essayé. Elle a essayé. C'est déjà bien. Bon, allez les gars, on a fini avec le 22 mai du coup. C'est sympa quand même. Toi, c'est intéressant. On peut commencer tous les lundis cette émission avec un cours de ballet. Oui, quand tu veux. Quelques lundis. On peut changer de danse, il y en a plein quand même. On peut varier les plaisirs. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. On fait la begin la prochaine fois. Oui. Oui, oui, oui. Je sais pas ce que je pensais, mais d'accord. Tu pensais à quoi? Salsa, danse un jazz, enfin, tu vois. Du souk. Mais attends. Caca par terre, tout ça. Mais juste ouais, avant, Liana, j'ai un truc pour toi, sinon, si tu veux t'initier à la begin. Ah oui, ah, oui. Je dis pas plus, rendez-vous lundi prochain. Ah, ah. Non, c'est à moi, pas à toi, à moi. Ok, très bien. Bon, du coup, on y va sur Tijo qui est un focus pour nous. C'est parti, allons-y Tijo. Alors voilà, vous savez toujours que moi, j'aime beaucoup les histoires d'artistes, les artistes en général. Et en fait, je suis tombé sur une artiste. On va envoyer la vidéo et j'explique c'est qui après. C'est parti. Alors, savez-vous que cet artiste, avant de commencer, il y a un truc très important. Il y a deux personnes qui ont contribué à lancer sa carrière. Une que tu connais très bien. C'est moi. Et une... très drôle, très drôle, on n'est pas le 1er avril. Oh une qu'on connaît très bien et une que vous connaissez moins. Donc, Spice, qui ah, ouais. l'a repéré dans un concours dans son école. Bien. Et Chronix, ah, on ouais. connaît depuis Jamaica, depuis Jamaica, pas longtemps. Smile, smile, ouais. Alors, Original Coffee pour son vrai nom, Maïka Simpson. Elle a le prénom des fameux personnages de dessins animés qu'on aime tous. Oui. Et en fait, elle est alors, chanteuse, DJ, ah, ouais. Beatmaker. Wow. Wow. Et je sais, j'ai oublié, Wikipédia n'est pas la partie de toutes ces informations. Elle est de 2000. C'est ah 2000. Ouais. Ah ouais. 2000. Ouais. C'est 2000. Ouais. Oh putain. Donc c'est la 18. On a raté notre vie. Voilà. Ah ben j'ai mes chances. On a raté notre 19. J'ai mes chances. Et il y a quelqu'un qui est sorti de prison en Jamaïque il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas un méchant, on se calme. Qui l'a validé. Okay. Buju Banton. Ah, pendant un concert en fait à Londres, elle a rendu hommage à Buju qui venait de sortir et il y avait Cocotti. Cocotti, excusez-moi les pubis si je prononce mal le prénom du monsieur, qui est un chanteur jamaïcain aussi qu'on connaît dans le Ragamuffin, bref, qui était là, qui présentait le show et en fait elle a pris 5 secondes pour big up, comme on dit dans le jargon, donc Buju Banton, ouais. qui a aussitôt partagé la vidéo après, ça a fait le buzz, etc. Il semble que quand elle arrive à Londres, c'est une espèce de rockstar, ouais. ses showcases sont remplis. Et Original Coffee, c'est la star de demain. Ouais. Franchement, ouais, voilà. Okay. Mais en fait, du coup, moi, je pensais qu'elle était londonienne en plus, la première fois que je l'ai entendue, parce que je trouve qu'elle a quand même l'accent. En fait, elle a fait partie de la tournée de Chronix pendant un an. Okay. Et Chronix tourne beaucoup à Londres. Partout. Donc, okay. du coup, je trouve que la façon dont elle chante, c'est un peu le côté londonien. Enfin, vraiment. Elle est en Jamaïque, du coup. Ah, bah, du coup, alors, j'espère qu'on va la recevoir du coup, sur ce plateau, bien sûr. Moi, je veux bien. Tu parles anglais? Quoi? Tu parles anglais? What you say? Mais c'est what? Le gars, il a dit un petit mot vite fait. Il est content. Non, mais en tout cas, voilà, le focus c'était sur Original Coffee. On voit qu'elle est de 2000, qui est suivie par Spice, notamment Spice, entre guillemets, Buju Banton, Chronix, plus précisément, qu'elle a suivi pendant un an. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup. Elle a 3 tubes à son actif. Donc, un morceau où elle explique que le ragamuffin l'a bercé dans son enfance. Ragamuffin, du coup, le nom du morceau. Rupture, si je prononce bien. Excuse-moi. Voilà, toujours un espèce de personnage qui veut cacher. Et du coup, tout ce qu'on connaît de Jonathan Coffee. Eh bien, on écoute Rupture. On y va. Coche les oreilles. Ah ouais.
Alors voilà les gars, on peut applaudir quand même Kofi. On peut... Quoi? On est hors antenne là, allons-y. Il faut faire gagner les bons rôdes. Ça, pas même tirer les bagailles là, des enveloppes là. Ça, c'est pas sûr, il y a ici. L'élégance n'est pas chez toi ce soir. L'élégance, dis-tu. Alors, du coup, Lulu, on a trois passes à faire gagner pour rôdes. C'est très bon. Et non, Braga, c'est tellement bon, les gars. Il y a une pizza, jambon, tomate. Non, je n'aimais pas dire ça. Et mais si, c'est une cochonne. Ça s'appelle la cochonne. C'est non, mais c'est pas que ça s'appelle la cochonne. La pizza, ça s'appelle la cochonne. Non, mais c'est descendu. Il est tapé, vas-y. Alors, on vous fait gagner ce soir des bons pour une pizza d'une valeur de 11 euros chez Roda Traiteur. So, Lionel va faire un jeu, je suppose. Exactement. Voilà, et on va vous faire gagner des bons voilà, pour manger une très très bonne pizza chez. Pour un bon repas ou une pizza. Chez Roda, et c'est très très bon, vraiment, voilà, c'est pas déçu. Exactement, bon, en tout cas, on va essayer de le faire gagner aujourd'hui sur cette émission. Eh ben, du coup, on passe au coup de gueule des chroniqueurs. Paco, un coup de cœur justement pour le show coiffure. C'est parti à toi, Paco, vas-y. Alors, bon, bonsoir Géraldine, si on peut l'applaudir. Bonsoir. Alors, avant de commencer, Géraldine, présente-toi en deux mots un peu, dis-nous un peu qui tu es, pourquoi tu es ici avec nous, voilà. Alors, les gars, je vais vous dire, j'ai fait le catéchisme avec elle. Mais qu'est-ce qui veut dire que c'est pas pertinent. Vas-y, Greg, on t'écoute. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Géraldine. J'ai 21 ans. Alors, tu fais quoi dans la vie? Actuellement, je suis à l'EGC Martinique en deuxième année. Oh, d'accord. Super. Avant ça, j'ai fait un BTS communication. Mais pourquoi? Non, en vrai, les gars, le gars m'a dit dans mon contrat, si on voit du son, pour rigoler. Le gars, parce que j'étais en train d'arriver, je me suis dit, mais quel rapport avec on continue, vas-y. Bon, Gérald, donc, j'ai une première question. Tu viens, bon, dis-nous pourquoi tu viens ici, justement, c'est pour le show coiffure, avec la ville de Lamantin. Donc, explique-nous un peu le concept de l'événement. Alors, sur trois jours, donc de mercredi qui arrive là, donc 22 au vendredi 24, il y aura donc le show coiffure. Nos coiffeurs, c'est des voiles. D'accord. Et ce sera au hall du Lamantin. Et le dernier jour, donc le vendredi, à la place André Aliker. Pourquoi cet événement? Parce qu'en fait, la municipalité du Lamantin a voulu promouvoir les métiers de la coiffure, qu'ils aient plus de visibilité, donc les coiffeurs du Lamantin. Et voilà, c'est dans l'air du temps en fait, tout ce qui concerne la coiffure. D'accord. Donc le but est clairement de promouvoir les coiffeurs. Voilà. En fait, est-ce qu'il y en a tant que ça au Lamantin? Est-ce que vraiment il y a une forte communauté de coiffeurs, communauté de coiffeurs au Lamantin? Est-ce qu'ils seront nombreux déjà sur l'événement? Oui, il y en a quand même. Oui, au Lamantin, oui, quand même, il y en a pas oui, mal. En Martinique même aussi. Nous avons recensé 12 coiffeurs. 12 coiffeurs d'accord. Pour l'événement. Et donc, voilà. Et est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui, donc il y a la page Instagram, la ville du Lamantin, et il y a aussi le Facebook, donc la mairie du Lamantin, où vous pouvez retrouver le flyer de l'événement, les teasers, oui. Et d'accord. Poser des questions aussi. Alors justement, pour tout vous dire, bon, on est tous jeunes ici. Quand on m'a contacté, donc c'est Roman, que vous connaissez sûrement, Dear Black Girl Roman sur Instagram, bref, pour son show coiffure, et j'ai été surpris parce qu'en fait c'est une équipe jeune qui met en place toute la communication. Ouais. Est-ce que c'est vrai, Gérald, parce que ça se passe comment avec. Pour allier tous ces gens dans une organisation telle que le show coiffure. En fait, c'est les jeunes carrément qu'alors vous avez organisé l'événement. On fait partie de la communication, la communication c'est surtout ça. La communication digitale. Bien. Donc on gère le réseau Instagram. La majorité des mannequins sont jeunes. D'accord. Donc on a voulu vraiment nous mettre dans l'événement. Donc voilà. C'est super. Et donc du coup, alors, pardon, pas vrai, mais du coup, alors j'ai vu qu'il y a Alexis Rosso qui s'assure l'événement, c'est quand même un grand coiffeur, très réputé, c'est un Martiniquais, c'est ça? Je crois que c'est un Martillais en tout cas, mais du coup il est très réputé dans le monde de la coiffure, dont justement, je sais, enfin, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur le tournage de clip avec Fanny G ou Stony et compagnie, et c'est un très 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 grand du coup, on peut applaudir quand même, ils ont... C'est bien. Du coup, les gars, on y va vendredi. Moi, oui, bien sûr. On y va tous. Non, on bégaye pas. On y va. Oui, après 15h30. D'accord. Pas vous. Oui, moi, il y a pas de souci. Ça aussi. Me coiffer. On y va. Jason. Bien sûr. T'en avais besoin. Il faut y aller. Avant minuit. Non. Si on croise Marvin. Mais non, mais
que tu as dit on y va. Combien d'années de retard as-tu, mon ami? Voilà, ce soir, faut pas le faire. Du coup, on peut applaudir Gérald. Et puis on continue avec le Saga Fest by Jason. C'est parti, c'est à toi. Non, pas de jingle. Pas de jingle. Ok. Alors, je reviens sur le carnaval. Je sais pas, vous êtes allé à la BCC? Ça vous dit quelque chose? BCC, gros événement de la Loadine, Boucha, tout ça. Ouais. Ils recommencent. Ils refont une là pour le samedi 1er juin, veille de jour férié, avec DJ Payou, Killers, T-Fish, Skull et DJ Close en exclusivité aussi. Et ce sera au domaine de l'Oasis, ils refont la même chose. Et ça s'appelle comment, Lionel? After BCC. C'est pour toi, ça. Ça s'appelle comment, Lionel? Ça s'appelle One Drop. J'avais pas vu. Les gars, du coup, laissez-moi vous dire. Ça s'appelle One Drop. Non, vraiment du lourd. Bon, je vais spécialement pour le nom de la soirée, du coup. Et le deuxième truc de mon deuxième événement que je parlais, c'est vous êtes allé tourner les poils, vous vous souvenez, lundi gras? Bien sûr. Mais l'Animus Run m'a donné une exclusivité, une vidéo, un teaser de leur prochain événement qui arrive là normalement. C'est parti, allons, regarde alors. Oh là là. Sympa. Ils nous ont donné des places, hein. Carré VIP de Sun. Oh là là. Mais est-ce qu'on peut inviter des gens? Est-ce qu'on peut inviter le téléspectateur? Bien sûr. Ah oui, il m'a laissé. Alors, au cas où tu ne le sais pas, on fait des missions. Là, tu sais, il y a des caméras. Et en fait, dans les caméras, il y a des gens qui nous regardent. T'es relou. Tu connais? T'es relou. D'accord. Allez, il m'a dit deux places à gagner. Ok, deux places à gagner. On va essayer de mettre ça en place. Du coup, alors, pour... Le 3 juillet. Alors, dans la soirée. Take that shot. Take that shot. Franchement, ils ont préparé, j'ai lu le plateau, donc il n'était pas encore dévoilé, le lieu aussi. Ça va être chaud. Très bien, d'accord. Bon, vous êtes invité là-bas, c'est super. On ira en tout cas. Et Luana va vous inviter. De la façon qu'elle vous invite à gagner des bons pour Roda, elle vous invite à gagner des places pour la Take That Shot. Merci beaucoup, Lulu. Bon, allez, les amis, vous savez quoi? On fait la photo mystère. Le retour. Ça vous va? Oui, yes. Bon, on y va. Si on regarde la dépixer des exemples. Oui. Oh, allez, maintenant, on fait là. La photo mystère, Luana. Un calamar. Kalash. Mikoff. Kalash Mikoff. C'est qui Mikoff? Kalash Mikoff. D'accord. On dirait une pintade. Admiralty. C'est pas ça, Jessica Rambel. Tu as déjà dit Admiralty? Eh bien, ce soir, personne n'a la réponse. On avait déjà dit Admiralty. Du coup, la photo mystère reviendra la semaine prochaine. Wow. C'est horrible. T'es sûr, c'est pas une pintade? Non, mais par contre, du coup, je vous donne un indice. C'est un artiste guadeloupéen. Ah, mais on voit pas une pintade. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour découvrir la photo mystère. Vous avez intérêt de chercher pendant toute la semaine. Je savais que c'était un animal ou un truc. Il y a aussi une. Merci, Luana. Bon, les amis, on se retrouve après la pub avec Morgan Edwige. J'ai un maximum d'applaudissements. Wow, 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 wow. Merci beaucoup, Morgan Edwige. On va s'amuser. Et puis, restez là à votre temps, parce que du coup, la question sexe, du coup, combien de temps doit durer votre rapport sexuel? On aura la réponse des chroniqueurs tout à l'heure. Et on remercie aussi Géraldine qui est passée. J'aime beaucoup faire ça comme jusqu'au bout. Du mercredi 22 jusqu'au vendredi 24, n'hésitez pas à venir à la ville du Lamantin, mais du coup pour le coiffure, bien sûr avec Alexis Rousseau. On se retrouve après la pub, à tout à l'heure. Madinina number one, viens faire un petit tour, voir comme la vibe. Baby bunny, wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes, respect les dames tom. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Situé à Zac de l'Étang Abricot à Fort-de-France, l'espace Sonate vous accueille dans un lieu confortable, polyvalent, sécurisé. Conçu sur deux niveaux, il comporte trois salles, salle Ernest Pivetal, salle La Pléiade et la salle Élite, exclusivement dédiée à vos événements et disponible à la location.
Si vous recherchez le confort et l'originalité d'un espace pour vos séminaires, conférences, formations, événements festifs, lancements de produits, etc., alors laissez-vous séduire par les salles de l'espace Sonate. L'espace Sonate, c'est au 42 rue Ernest Hemingway, Zac de l'Étang Abricot, à Fort-de-France, 05 96 62 30 07. Créé en 1986, Imprime Flash vous propose la réalisation de tous vos imprimés. Brochures, en-tête de lettres, cartes de visite, dépliants, liasses, calendriers, carnets, banderoles, objets publicitaires. De la conception à la livraison, en passant par la scannerisation de vos photos, Imprime Flash vous offre ses meilleurs services et vous satisfera grâce à son matériel performant et son personnel qualifié et impliqué. Imprime Flash, c'est à la ZAC de Rivière-Roche, bâtiment D4 à Fort-de-France, 05 96 50 52 50. Fêtez les 40 ans de la compagnie de danse Pomme Cannelle sur le Costa Favolosa. Le 13 décembre 2019 au départ de Martinique et le 14 décembre au départ de la Guadeloupe. Vivez une expérience unique, authentique, haute en couleur, au cœur de la culture créole. Avec l'un des meilleurs ballets au monde. Cabine à partir de 549 € par personne. Enseignement et réservation au 05 96 55 38 73 Royal Tour. Les 40 ans du ballet Pomme Cannelle du 13 au 20 décembre 2019 sur le Costa Favolosa, recommandé par KMT. Madinina number one, viens faire un petit tour, voir comme la vibe. Baby bunny, wicked boy, des sexy gal. Il y en a des tonnes, respect les dames tom. C'est pour elle que ma voix résonne dans mon cœur, la number one. Comme chaque lundi à 20h45, il est temps pour nous de recevoir avec Morgane Edwige qui est avec nous. Elle est ravissante. Ah ouais, super. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors là, du coup, vraiment, je suis charmé, bluffé, je ne peux plus parler. Oh là là, c'est bon. Deux tickets. Je l'ai déjà. Ah. Alors, oui, celui du TSP. J'ai bégayé, tu vois, bah, je ne sais pas. Plus de ça. Bon, arrête. Allez, Morgane, bonsoir. Alors, première question, comment tu t'es retrouvée à faire Miss Martinique? Alors Miss Martinique, tout d'abord, il faut savoir que c'est pas du tout mon domaine, c'est-à-dire que je suis une ancienne sportive, très garçon manqué, tout ça, et c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout mon domaine. Et puis un jour, j'étais en stage sur des excursionnistes qui font des balades en dauphin en Martinique. Et puis il y avait l'équipe Miss France qui était de passage en Martinique, et donc il y avait Flora Coquerel, Sylvie Théier et toutes les anciennes Miss France. Et moi j'étais là en train de faire le petit service, je sers le petit plan, le petit punch, le planteur et tout ça. Et puis il y a Flora qui me dit « Ah, t'es jolie, pourquoi tu fais pas Miss Martinique ?» Mais ça, on me l'avait déjà dit. Mais je me suis dit « Alors là, elle me dit ça, ok, on y va. » Et puis c'est parti de là, de fil en aiguille, voilà. Très bien, d'accord. Et donc le 25 septembre, tu deviens Miss Martinique 2015. Quelle est la sensation que tu as eue quand on a appelé Morgane Edwige sur la scène Miss Martinique 2015? C'est quand même une sensation inoubliable. Vraiment, c'est un truc que je ne vais jamais oublier.
la sensation est indescriptible. C'est-à-dire que t'es là, t'as chaud, t'as froid, t'as pas faim, t'as pas faim. Tu sais pas ce qui se passe, juste t'es là, t'as une corne sous ta tête et tout le monde t'applaudit. Et c'est juste génial. Vraiment, je remercierai toujours tous ceux qui m'ont soutenu parce que vraiment, ça a pas été facile, mais j'ai été jusqu'à là où je suis allée. Voilà. Très bien. Alors, bah, du coup, on va revenir à ta prestation à Miss France, puisqu'elle est quand même arrivée première dauphine à Miss France. C'est parti, on regarde un extrait de la prestation de Morgane. Allons-y. Alors les amis, on peut applaudir quand même. Ça te fait quoi de revoir ces images-là qui datent quand même de 2016? Oh oui, c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'émotions là, je ne vais pas le montrer. Mais ça fait quand même plaisir de revoir toutes ces images, surtout que moi-même je ne vais pas chercher sur YouTube ce genre de choses. Donc vraiment ça me rappelle de bons souvenirs et c'est génial. Merci. Ah bah, de rien, du coup ici c'est chez toi, il n'y a pas de souci, tu fais comme tu veux. Alors le 19 décembre, pardon, tu te retrouves première dauphine de Miss France. Quel moment que tu retiens de cette expérience Miss France? Vraiment Miss France, c'est peut-être un discours bateau, mais c'est vraiment une aventure humaine avant tout. Ça apprend beaucoup de choses, on en ressort grandi. Et j'ai fait des rencontres formidables, j'ai des copines maintenant à qui je parle encore très bien. Et ça permet de tisser des liens, de faire des rencontres, de visiter des endroits que je n'aurais jamais visité en temps normal. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire. Et si c'était à refaire, vraiment... Tu le referais? Je le referais sans hésiter. Très bien. Alors, une anecdote comme ça sur ton année de Miss France. Quelque chose que tout le monde aurait voulu savoir et que tu gardes en secret. Donne-nous un petit exclu. Il y en a tellement, surtout que je suis pas une miss comme les autres, j'ai mon caractère et j'obéis pas toujours. Oh là là. On va dire qu'un soir, pendant la tournée Miss France, quand on faisait la tournée avec Iris Mittenard et les autres dauphines, on était toutes obligées d'avoir nos écharpes. Sauf que moi, étant l'heure que je suis, j'ai oublié la mienne. De sur quoi on avait bu un petit peu juste avant. Donc, les gens m'en pompette et moi j'arrive sur scène, fait sans écharpe, sans rien. Et fallait trouver par je ne sais quel moyen, moyen de me ramener une écharpe, traficoter un truc, que je ressemble à quelque chose. Et voilà. Donc, bon, alors, c'est un peu une anecdote. Je crois que je vais faire partie de l'organisation des missions. Tu sais, ouais, Morgane est là en mode. Elle est là, je ne vois pas. Tiens-toi. Ça se voit pas, je gère. La vie d'être là, tiens-toi et regarde devant. Paulie, t'as une question? Oui, c'était pour savoir, lors de ton passage à Miss World, c'était ton désir ou bien le désir du comité ou bien il y avait certaines exigences par rapport au concours de mettre, de ne pas avoir gardé ton afro? Fawzia, j'aime beaucoup. Attends, avant que tu répondes, j'aime beaucoup parce que la fille, elle lui fiche ou quoi? J'ai la prochaine question. Ok, très bien. Bon, mais du coup, on regarde justement la photo. C'est vrai que c'est joli, ça, mais... ça a fait polémique. Alors, il faut le dire, ça a fait polémique. Ici, moi, je me rappelle, sur les réseaux, les gens étaient vraiment en mode Morgane, lisser ses cheveux. Alors, justement, là, pour répondre à la question de Fawzia, est-ce que c'était un choix? Alors, oui, c'était un choix.
C'est-à-dire que j'ai toujours porté mon afro, je l'ai toujours assumé. Pour Miss Monde, on m'a donné l'opportunité, on m'a proposé pourquoi pas essayer quelque chose d'autre pour entrer dans les critères, on dira, okay, plus international. Mmh. Je me suis dit, bon, ok, pourquoi pas, j'ai porté l'afro sans problème. À Miss Monde, c'est pas que je crois pas en l'afro, mais pour mettre toutes les chances de mon côté. Très bien. J'ai voulu rentrer dans ce cadre-là et je me suis dit pourquoi pas. Enfin, c'est pas parce que j'ai mis un tissage que ça y est, je renie mon afro, quoi que ce soit. Bien au contraire, juste j'avais envie de changer de tête comme tout le monde a envie de changer de tête parfois. Très bien. Après, je pense que c'est pas la seule Miss qui a fait ça. Le nombre de Miss, par exemple, je pense à Miss Colombie, Venezuela. Dans les concours internationaux, c'est récurrent. Ici, ça fait souvent polémique des petits trucs comme ça. Et est-ce que je peux poser une question? Oui, comment tu as vécu la victoire de ta collègue Isna, qui est quand même arrivée Miss Univers? Après, je ne sais pas combien d'années en France, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu es toujours en contact avec elle? Oui, Iris et moi, on est toujours très copines, on se parle encore super bien. D'ailleurs, elle a son spectacle à Paris, j'ai été invitée, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Donc, pour te dire qu'on est vraiment en bon terme. Et je l'ai vécu très bien. Alors, surprise, parce que ce n'est pas que je ne croyais pas en elle, mais face à elle, il y avait quand même Miss Haïti. Moi, je croyais pas en elle. Je la trouvais ravissante. J'aime beaucoup Iris. Côté patriote et tout, je la soutiens, mais côté personnel, vraiment, j'ai trouvé Miss Haïti ravissante. Et je pensais vraiment que c'est elle qui l'emporterait, mais quand Iris a gagné, j'étais très contente pour elle. Exact, c'est vrai qu'elle est très belle aussi, Iris. Alors, qu'est-ce que l'univers Miss France ou encore la mode t'a permis d'acquérir, Morgane? Alors, j'ai acquis beaucoup d'expérience, c'est-à-dire que j'ai toujours été quelqu'un qui a de l'assurance, j'ai confiance en moi, donc ça... Ça va, mais hormis ça, ça m'a appris à me canaliser. Justement, cette assurance et cette confiance qui pouvait être un peu trop débordante parfois, j'ai su la canaliser. Et puis, le côté humain, le côté relationnel, entretenir les relations et enfin, être vraiment dans... Pas dans l'humanitaire, je dirais, mais vraiment dans le contact avec les gens. Et entre autres, c'est ce genre de choses que j'ai pu apprendre. Très bien. En tout cas, je te dis, j'ai envie de regarder là, mais elle est magnifique. Ouais, vraiment, franchement. Ouais, ouais. Et on peut l'applaudir pour ça. Whitney Houston, qu'est-ce que ça te fait d'être comparée à Whitney Houston? C'est une belle femme aussi. Oh, mais carrément, enfin, elle est trop belle. Et je tu chantes vraiment. Ah, je chante, mais bien ça se la. Je sais que tu chantes, hein. J'ai des vidéos de toi. J'ai des vidéos. J'aurais dû les balancer. J'ai des vidéos. Ta famille. Non, j'ai des vidéos de Morgane qui m'envoie des vidéos en train de chanter, mais elle chante vraiment bien. Du coup, pourquoi pas un clip? Ah, mais j'adorerais! Eh ben allons-y! Est-ce qu'il y a un producteur qui veut la produire? Un producteur, s'il vous plaît, un producteur! Comme vous voulez, je suis pas entendu. Très bien, t'en as un là! On en a plein! Oui, exactement! Alors, justement, après tout ce temps passé en tant que Miss et première dauphine, à quoi tu te consacres aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà, il faut savoir que je suis rentrée en Martinique de manière indéterminée pour le moment. J'ai des projets à faire aboutir. Là, je suis en pleine création d'entreprise. Donc, tout ce qui est touristique et tout ça, c'est mon domaine. Donc, je suis rentrée me consacrer un peu à ça, à contribuer au développement touristique de l'île en tant qu'ambassadrice et tout ça. Je veux vraiment jouer mon rôle à fond et c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis des années. Donc, je suis rentrée principalement pour ça. Et puis, aujourd'hui, ben, je fais ma petite vie en Martinique. On se croise de temps en temps. Je ne dirais pas où, mais... Justement, voilà. Justement. Dis-moi est-ce que en 2019, bon, moi j'ai connu, je t'ai connu à Miss Martinique, mais il y a eu aussi, je me souviens, l'époque de Périscope. Je sais que tu en faisais avec Erika d'ailleurs, on faisait des Périscopes, tout ça. Oh, et on voyait, oui, on voyait un peu l'inside, entre guillemets, quand même, c'est vraiment Morgane hors des talons, du fond de teint, etc. Bref. Et est-ce que jusqu'à peut-être en 2019, tu croises des gens qui peut-être te félicitent ou te reconnaissent Ah non, mais ça, c'est tout le temps. Ah. C'est... Moi, je me dis, mais ça sert à rien. Non, mais c'est vrai quand même qu'elle a quand même marqué. Ah, il veut se le dire. Tu as quand même marqué l'histoire. Depuis 1998, c'était pas arrivé, donc je peux comprendre. Tu as marqué l'histoire, et puis surtout que c'est la première année où j'ai vu autant de soutien, enfin, dans mon âge en tout cas, autant de soutien pour une Miss. Toute la Martinique était vraiment Morgane. La rage que tout le monde a eu. Ouais. Ah, mais d'ailleurs, il y a une vidéo sur Twitter, je me rappelle. La meuf en train de filmer, elle crie. Tu sais quoi, on dit. Elle m'a mis. Bon, Iris Mitton. Et du coup, vraiment, en fait, les gens se sont vraiment accrochés à Morgane, qui reste un personnage en tout cas. Et vraiment, je te souhaite vraiment de continuer autant comme ça et de rester aussi magnifique. Merci. Vraiment, continue. Bon, merci. Morgane, tu restes avec nous du coup, en tout cas. On peut applaudir Morgane. Merci. Et du coup, en tout cas. Voilà, on va passer à la vie de merde ce soir.
Je crois qu'on a, normalement, on a la personne. Alors, je vous dis déjà, c'est Stéphanie qui nous a laissé un message. Son copain a la menace de divulguer ses nudes qu'elle lui a envoyées car elle souhaite le quitter. En fait, Stéphanie veut quitter son copain. Et durant leur relation, elle a envoyé, bien sûr, des photos sexy d'elle dénudée à son copain. Et du coup, là, maintenant, elle veut rompre avec lui. Et le gars, en fait, il lui a dit que si tu romps avec moi, frère, je balance tes nudes. Donc, du coup, Stéphanie nous a appelé en détresse. Je sais pas, est-ce qu'elle est là? Allô? Stéphanie? En régie, est-ce qu'ils peuvent la prendre ou pas? On est en modulation. Très bien. Bon, alors, par la même occasion, je souhaiterais savoir, du coup, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qui peut vous donner un conseil? Qu'est-ce que vous auriez fait à ce... En vrai, le conseil que moi, je vais vous donner, c'est de déposer de ma courante, de quitter cette personne-là, et que si la personne fait tourner les nudes, que la ma courante est déjà servie. En fait, quelqu'un, si la personne l'aimait vraiment, elle n'aurait jamais fait ça. Exact. Une menace du chantage dans un couple, je vois pas le délire, en fait. Alors, très bien. Heureusement que Jason. Alors, du coup, Stéphanie avec nous. Allô? Stéphanie? Allô? Oui. Stéphanie, ça va? Allô? Bonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. J'aime beaucoup la voix de Stéphanie. Stéphanie, ça va bien? Oui, je voudrais juste savoir si je suis bien dans le squat. Oui, exactement. Alors, c'est bien toi, Stéphanie? Je suis tellement ravie de vous entendre, je suis vraiment en stress dans ma vie par rapport à certaines choses. Est-ce que je suis en direct? Oui, bien sûr. Alors, Stéphanie, du coup, pour rappeler, Stéphanie, tu nous as laissé un message sur Instagram où ton copain te menace de divulguer des nudes que tu lui as envoyé. Et tu souhaites le quitter, c'est bien ça? Avant tout, je voudrais savoir si cet appel reste anonyme. Alors, c'est sous ces techniques. Stéphanie, du coup, là, on est un peu en direct. D'accord. Bon, alors en fait, ma question est, ça va plaire mon compagnon et j'ai décidé d'arrêter que malheureusement, en tant que copine aimante, je lui ai envoyé des news parce que maintenant que je veux le quitter, il menace de les diffuser. Quoi? C'est pas de rigoler quand même, mais c'est une situation chaude. C'est vrai qu'on est surpris. Alors, Stéphanie, alors, Paco. C'est qui? C'est qui le gars, il sait c'est quoi, c'est qui, pourquoi? Exactement, je ne comprends pas. C'est le base d'être très malsaine. Mais Stéphanie, dis-nous en fait, pourquoi lui envoyer des photos déjà? La démarche, déjà ça. Et qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Pourquoi lui il veut diffuser des photos? Est-ce qu'il y a une dispute? Est-ce qu'il y a une querelle? Je sais pas. C'est comme s'il la possède, en fait. Ah, il la possède. Alors déjà, relation malsaine. Bon. Si tu me quittes, je diffuse toutes tes photos pour prendre des comptes, en fait, pour prendre des intimités. Ainsi qu'à les réseaux sociaux, ça n'est pas bon, c'est un cancer, ça. Alors, Stéphanie, est-ce que du coup, c'est la réalité, est-ce que les photos sont quand même chaudes ou hautes? Mais dans tous les cas, tu fais. Je dirais qu'on voit mon corps nu. Ok, très bien. Alors, c'est quand même chaud, Kevin. Après, moi, ce que je pense, en général, ces trucs-là, ça se règle quand même à la justice, oui. Parce que ça peut aller loin. Mais après aussi, il faut faire attention quand même à ce qu'on fait avant, tu vois. Faut éviter aussi d'envoyer des trucs comme ça, parce que après, ça peut causer des problèmes. Oui, mais j'ai produit lors d'un voyage, il était. Ouais, je comprends. Il m'a demandé des photos, vous comprenez. Je comprends. En tout cas, moi, je te conseille d'aller. C'est pas le problème, c'est la finalité. Bien sûr, c'est ça, la finalité. Mais alors, du coup, alors Stéphanie, reste avec nous. Est-ce que vous êtes pour ou contre envoyer des sextos à votre compagnon? Qu'est-ce qui est pour et qui est contre? Pour sextos. Sextos, nude, enfin, tous ces trucs-là, les photos sexy, vidéos. Est-ce que t'es pour ou contre? Moi, je suis pour. Très bien, Kevin. Non, attends, il est pour envoyer ou recevoir, mais... Attends, on t'envoie pas. Merci. J'allais dire, mais attends. Mais pour aussi, s'il faut que j'envoie, j'envoie. Très bien, Kevin. Moi, je pense que oui, ça peut se faire. Après, sur WhatsApp, c'est compliqué, ça reste dans la galerie. L'astuce by Kevin. On va faire ça en feu. Pour. Toi, t'es pour, Luana. Pour. Bien sûr. Pour. C'est délicat, je trouve. Le chat. Alors, contre. Je suis pas contre, mais tu vas pas non plus t'amuser à être là. Mais oui. Mais attends. Petit jeu. Pour. Eh ben du coup, moi, je suis contre. Oui. Alors,
dira-t-on que nous allons réserver les sextos, les nudes, à une certaine catégorie de personnes dont Lionel ne fait pas partie. Voilà. Mais oui, parce qu'en fait, pour vous raconter l'histoire, c'est qu'une fois, j'ai voulu envoyer ça, j'étais en voyage, et j'ai voulu envoyer ça à ma copine, et en fait, malheureusement, j'ai mis dans la story. Et en fait... Je ne t'en ai pas rendu compte. Ce n'est que 3 minutes après. Tu l'as publié, j'ai dit. Ce n'est que 3 minutes après, il y a quelqu'un qui a capturé. Et j'avais déjà 25 vues en 3 minutes. Je peux vous dire que ma copine m'a arraché la tête. Elle m'a dit, frère, attention à toi. Donc, du coup, je ne fais plus ça. Ça fait déjà plus d'un an et demi. Et je ne fais plus ça. Du coup, je préfère la réalité. Mais pour revenir quand même à Stéphanie, l'histoire est quand même très compliquée. Kevin, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens disent? Eh bien, oui, c'est ce que j'allais dire, qu'ils pensent qu'il faut aller voir la police, porter plainte, prévenir, quoi. Chercher de l'aide au niveau de la justice. Alors, sinon, on peut le kidnapper. Voilà. Au niveau de la justice, ils ne font rien à ce sujet. Justement. Est-ce qu'il y a... Une main courante, ça. Alors, est-ce que tu as dit. Discuter avec ton copain. Comment? Est-ce que tu as discuté avec ton copain? Oui, j'ai discuté avec lui. Tu vis avec lui là actuellement ou pas? Non, bah sinon je n'aurais pas pu vous appeler. Ah, d'accord, très bien. Bon alors quand même du coup... Mais tu as dit quand même, hein, tu peux sortir. Non, mais c'est vrai quand même, il faut rappeler qu'il la possède. Elle a bien dit qu'il est quand même possessif dans la relation. Alors du coup, moi Stéphanie, ce que je te conseille, c'est d'aller quand même à la police, vraiment, pour porter plainte ou bien... À part déposer une main courante, la police ne peut pas prendre en charge ce genre de situation qu'il ne considère pas comme assez grave. Appelle la famille. Alors il faut qu'elle fasse attention à ce qu'elle fréquente et à quel moment elle a raison. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance en l'homme. Alors mes dames, si vous m'entendez, écoutez ce message et c'est dans les deux sens. On peut avoir confiance en l'homme aussi, hein, quand même, hein, parce que c'est dans les deux sens. Aussi. Mais... Après, c'est un peu ce que je t'ai dit, Steph, de faire. Il faut réfléchir, Stéphanie. Il faut réfléchir aussi un peu avant de faire des trucs comme ça. Je ne peux pas rester plus longtemps car il ne va pas tarder à rentrer. Ah bon, ok. Alors, Stéphanie, du coup, ce que j'avais te souhaité. Bon, je vous laisse, j'ai l'impression qu'il y a la voiture. Ah, d'accord. Bon, Stéphanie, on reste en contact avec toi, du coup. On reste en contact avec toi, Stéphanie, du coup. Je te remercie beaucoup, merci beaucoup. Les gars, franchement, c'est une histoire quand même. Je vous en prie, tout ça doit rester, hein. Bye bye. Ok, merci. Stéphanie, on t'envoie mon Roda. On t'envoie. Sur les réseaux sociaux, un bon Roda quand même. Voilà, finira pas avec lui ici au-dessous. Hein. Oui. Merci Paco. Comme disait Kevin, je pense qu'il faut quand même faire ça intelligemment. En tout cas, au moins ne pas montrer, pas forcément que le visage, mais ne pas montrer des signes distinctifs. Les gens qui ont des tatouages, ne pas les montrer. Bon, c'est tout. Bon, les piercings, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ne pas montrer les tatouages, ne pas montrer le lieu forcément, ou tu vois, des trucs. Restez dans un peu intimiste. Enfin, essayez de montrer sans trop montrer non plus, tu vois. Montrer la chose, mais sans trop montrer. Il faut pas qu'il y ait quoi que ce soit puisse t'identifier, voilà. Dans tous les cas, le gars, celui que c'est toi, les j'aime gens beaucoup pas Morgane et Luana sont experts dans ça. Ouais, bah, Morgane qui dit il faut rester subtil. Non, mais alors... Ça c'est dit l'argument de Kevin sur Snapchat, je pense que c'est indispensable. Oui. Envoyer ce genre de photos sur WhatsApp, c'est très délicat. Ah, oui. Parce que ça va être un arrêt, voilà. Il peut capturer. Mais attendez, il y a la capture de la vision qui permet de capturer sans qu'on voit. Oui, mais en fait, tu sais, dans la capture, tu vois au moins que la personne voit. Il y a l'application. Mais là, lorsque c'est dans la galerie, c'est compliqué, tu vois. Ah ouais, quand tu as envoyé le truc, oui. Et puis la personne, attends, tu sais pas qu'est-ce qu'elle a besoin de transférer, c'est transféré. Moi, j'ai fait transférer liste de diffusion 2000 personnes. Non, c'est... J'ai radicale quand même le trouver. Ah bien sûr. Mais en tout cas, les gars, vraiment, si vous nous regardez, femme ou homme, je pense que c'est pas bien de faire ça dans une relation, de menacer quelqu'un à divulguer les photos. Sûr. En tout cas, c'est pas la chose à faire. Et j'espère que Stéphanie, du coup, nous rappellera, on prendra contact avec elle, ou j'espère que ça ira aussi pour elle. Sinon, il faut qu'il y ait des photos des deux côtés. Voilà. Enfin, tu fais du chantage, mais j'en fais aussi, et là, on voit qui des deux est le plus malin. Mais du coup, c'est même pas une raison. Elle te dit qu'elle veut rompre, tu lui dis tu balances tes nudes. Ah, c'est sûr que c'est une relation. C'est un enfant, c'est tout. Voilà. C'est un enfant, ouais. Pour moi, c'est un enfant. C'est-à-dire que tu gardes quelqu'un dans ta main avec une nude. Oula, c'est dégueulasse. Ouais. C'est, pardon. C'est sinon, il y a des hommes comme nous, des vrais hommes. Célibataire. Ouais, de qui là? Oh, il passe son annonce. Ah, il passe son annonce, très bien, mesdames, restez très loin de lui. Alors, on continue. Alors, du coup, dans la lignée des choses, les gars, on a reçu encore un message, une vie de merde de Thomas, qui nous a laissé un message sur Instagram, du coup, cette fois-ci. Est-ce qu'on peut afficher le message sur Instagram qu'il nous a laissé? Salut l'équipe. Bon, alors.
Alors, vous avez vu que Thomas a 15 ans. Salut l'équipe. J'ai un souci. Je m'appelle Thomas et j'ai 15 ans et je viens de faire ma première fois car mes potos m'ont dit d'essayer et donc j'ai fait avec une copine. Sauf que je regrette, c'était pas bien. Il partait bon même, hein. C'est là. Alors, Lionel, du coup, on fait un petit robin ou bien un petit robin. Ah ouais, béchouette. Non, oh, les gars, arrête, à 15 ans, on était comme ça aussi. Mais à 15 ans, tu as pour le non, travail. Non. Avec la merde que j'avais, pour moi, si tu es privé juste en abrégé, tu peux les découvrir. Moi, ma maman te renvoie le message, corrigé, sans la réponse. D'accord. Donc, il y a on va voir les mamans cousines. Bon, alors, mais du coup, les gars, Thomas nous demande, que pensez-vous, l'équipe, de cette situation? Donc, du coup, moi, je me suis posé la question en étudiant quand même le sujet de Thomas. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge... alors, selon vous, quel est l'âge... à quel âge devons-nous passer à l'acte, selon vous, Luana? Alors, moi, je pense que... Bon, je vais pas dire qu'il n'y a pas d'âge. Je pense qu'on tourne autour de peut-être 15, 16 ans. Ça dépend de ton année. Je vais dire, quand tu rentres au lycée, peut-être transition 3e seconde, en général tu as quoi, 15-16 ans, c'est le temps que tu commences à sortir, aller en soirée peut-être, bon, c'est peut-être un moment... Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ne pas le faire parce que les autres l'ont fait. C'est en ça, fait. Parce que là il le regrette le pauvre petit, quand même. Hein. On m'a souvent dit justement que la majorité sexuelle est fixée à 15 ans. Moi je ne prends pas ça en compte parce que je pense que chaque... Personne, ils ont fait la, au niveau des hormones, la maturité, enfin, le développement du corps, donc c'est vraiment des choses qui ne se font pas en même temps. Donc, je pense que, en ce moment, tu t'estimes prêt et que ton partenaire ou ta partenaire est aussi prête, ben, tu peux sauter le pas. Mais si on t'a été influencé parce que Fawzia, il faut que je fasse aussi, non, c'est assez propre à moi. Quoi. C'est clair. Fawzia, toi seul, quel est l'âge idéal? Ben, pour moi, je pense que c'est surtout une question de maturité, en fait. Si tu te sens prêt, tu y vas. Mais après aussi, pour le cas de Thomas, je pense qu'il y a aussi un manque de confiance en lui. Parce que c'est sa confiance. Là, il y a confiance en lui, il n'aurait pas écouté les autres, il aurait attendu, il aurait su qu'en fait, c'était pas le bon moment. Et puis, surtout que, alors, bon, il dit c'était pas bien, on lui a pas posé la question du coup sur les réseaux, mais est-ce que c'était pas bien parce que lui, il n'était pas à l'aise, ou bien est-ce que... Il n'a pas trouvé l'acte parce que forcément la première fois c'est peut-être pas c'est pas toujours la meilleure non c'est plus. Ça s'ouvre le lieu aussi était checker les. Ça aussi. Non, ça s'appelle bien Thomas c'est ça? Oui. Ça s'appelle bien Thomas. Il y a une chose qui est très importante, il ne faut surtout pas regretter. C'est fait, c'est pas une erreur parce que ça devait arriver une bonne vie. Ça devait arriver une bonne vie. Elle a dit le lieu c'est checker les. C'est pour ça qu'il rigole, désolé. Bref, donc faut pas regretter. Tu verras, tu auras d'autres aventures et ce sera sûrement mieux. Ce sera sûrement mieux, c'est pas de doute. Ça c'est sûr. Tijo, toi, l'âge idéal. En fait, l'âge idéal. Pas 10 ans, Tijo. J'ai peur. Moi aussi, je pensais qu'il allait dire 9 ans. Mais 9 ans. Ouais, c'est cette image-là qu'on a de toi, c'est bizarre. Alors, pour l'âge idéal. L'âge idéal, enfin, hein, coucou maman. Non, en vrai, pour moi, l'âge idéal, ça reste compliqué parce que il faut, on va essayer d'essayer d'un C'est plutôt la maternelle, du coup, je crois. C'est ça, en fait. Rester sage. Allez, ça a été beaucoup, il est 22h05. Allez. Donc, non, sérieusement, on va dire que il faut que les deux personnes soient prêtes. C'est compliqué parce que si tu le fais trop tôt, c'est la réalité. Si tu le fais trop tôt, tu auras une espèce de vie où tu vas tourner autour de ça. C'est la réalité. Je vais pas te mentir, je connais plein de gens avec qui j'ai discuté, machin, etc. Moi, j'ai commencé tôt. Si vous voulez l'exclure, j'ai commencé tôt. Okay, si tu veux l'exclure, je vais pas la donner. Ma maman regarde l'émission, on va rester. Top. Sous la barre des prix. À la garderie. Ma maman regarde l'émission. Ah, il fallait pas dire. Il y a un dégueulasse. Non, alors du coup, il n'y a pas d'âge. Sérieusement, le truc que je voulais en fait vraiment dire sur ce sujet, c'est faire attention. S'il y a des très jeunes qui nous regardent, bien sûr, faire attention parce qu'une fois qu'on est dedans et trop tôt, on tourne autour et c'est un cercle vicieux. C'est un espèce de cercle vicieux. Arrête de rigoler, Lionel, s'il te plaît. Parce que c'est très, très sérieux ce que j'ai dit. Ouais, c'est et vrai. Du coup, le faire parce que quelqu'un t'incite à le faire. Je prends l'exemple. C'est souvent le cas, une fille. Pour le cas, c'est jamais une fille qui va dire un gars, allons-y, puis le lâche après. Et pourquoi pas Non, c'est ça, c'est un rebelle. C'est pas méchant, mais le plus souvent le cas, le plus souvent, c'est un gars qui veut lui. Chérie, vas-y, on y va, fais-moi confiance. Et du coup, deux jours après, il n'y a plus personne.
tu vois, et c'est faire attention à ça. Mmh. Parce qu'il faut être et accompagné et savoir être qui tu le fais, et voilà. C'est vrai. Du coup, Jason. Pour moi, l'expert. La gynée, il a 3 ans. Bah, pour moi, en vrai, ça aurait été vers la période 14, 15, 16. Cette période-là, en fait, il faut être prêt, en fait, comme chez mes collègues ont dit. Pourquoi je rigole comme ça? C'était stressant. Non, non, non. Parce que, en fait, c'est l'âge, si la personne en face est prête et que tu es prêt aussi, ça le fait. Et faut jamais regretter aussi, je reviens sur ce qu'a dit Paco, jamais regretter parce que c'est des expériences que tu accumules, que tu apprends, que tu développes, tu commences à connaître ton corps. Tu commences à connaître ton corps, tu commences à connaître, etc. Très bien, d'accord. Kevin. Oui, ben bon. La GDL pour toi. Du coup, alors, quand on arrive en 4e, 3e, on a une poussée de. Les ailes poussent. Ah, tu vois, tu sens qu'il y a des réductions chez les avions, tu t'envoles, machin. Là. Mais je pense qu'il faut quand même attendre. Il faut attendre le bon moment. Et pour moi, la majorité, ce serait 16-17, ouais. 16-17. Et puis, ouais, il faut attendre le bon moment. Ouais. Très bien, d'accord. Je rejoins Kevin. Je pense que 4 ans, c'est tout. 4 ans, c'est tout. Très tôt. Parce que, non, attends, laisse-moi finir de parler. Ouh, mon Dieu, elle a pas. Ouais, Non, mais j'allais juste dire que je prends l'exemple des filles. C'est pas parce que ça commence à grossir et puis que t'as 2-3 petits pois et qui sont là qu'il faut dire allez, je vais. Moi, j'ai dit, tu as raison, tu as raison. En fait, la fille, c'est dans le sens. Mais tu veux rebondir après ça? T'es sûr? Laisse tomber. À quel âge, selon toi? Je rejoins l'avis de la plupart d'entre vous, c'est-à-dire que selon moi, il n'y a pas vraiment d'âge. C'est quand tu te sens prêt, quand tu penses que la maturité est là, et puis que la personne en face, surtout, l'est aussi. Sinon, ça ne sert à rien. Et puis après, c'est... Je suis totalement d'accord. Franchement, les filles ou les garçons, prenez votre temps, surtout, parce que ne soyez pas influencés, comme Papa vous disait, par quiconque. Et parce que vous... Oh là là, ce que vous pourrez savoir si... Bref, alors, allez. Oui, je pense que le petit Toto, ce qui a... Le petit Toto, Thomas. Oh là là. C'est un poteau du lycée, arrêtez, il a mon âge. Non, je rigole, j'ai 17 ans. Et en fait, ce qui s'est passé, je pense qu'en fait, il avait un manque de maturité, comme tu disais, et qu'il ne faut pas suivre tes potes. Parce que des fois, tes potes, ils te disent « Oui, j'ai fait ça à l'impératrice, machin », mais ils n'ont jamais fait. Tu vois? Donc, en vrai, ils n'ont jamais fait, des fois. C'est l'impératrice. C'est un exemple. Donc, j'ai fait ça mal à l'école. Je pense qu'il ne faut pas écouter les potes, parce que des fois, il y a beaucoup de potes. Alors pendant 2 heures, en parlant de ça, les amis, pour finir sur la question du jour, dans cette émission, bonne transition, des chercheurs américains se sont penchés sur la durée adéquate pour un rapport sexuel. Parfait, et bien sûr, les hommes et les femmes étaient bien sûr différents, enfin il y avait plusieurs réponses qui étaient différentes, donc ils ont mis quelques années avant de se mettre d'accord du coup pour le résultat. Ainsi, le résultat est que pour un rapport sexuel, un bon rapport sexuel, il faut compter entre 15 et 25 minutes préliminaires comprises. Ça veut dire pour être satisfait. Donc du coup, moi la question que je vous demande, combien de temps doit durer un rapport sexuel selon vous? Mettez tout sur votre ardoise. Mais Tijon n'a pas d'ardoise. Mettez tout sur votre ardoise. Tijon n'a pas d'ardoise, c'est pas grave, tu vas donner. Il n'a plus de budget. tu vas donner un chiffre comme ça. Mais Tijon, vas-y, commence. Combien de temps va durer un rapport pour toi? Mais non, mais j'avais une belle chute, tu veux pas commencer? Ah, d'accord, bien sûr, ok. Bon, ben on commence avec Morgane. Allez, allons-y. J'aime beaucoup. Ah! Wow! C'est quoi, monté? C'est bien mouvementé, là. Ah! Allez, Morgane, alors. À vrai dire, c'est approximatif. Oui, c'est ça. Généralement, on calcule pas combien de temps ça dure. Ça peut être plus long. Après, c'est mon ressenti, peut-être que moi ça dure 45 minutes et puis qu'au final c'est pas ça. Je vais partir d'ici, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est très bien parce que tu as fait plaisir. Pendant 40. Même si ça dure 5 minutes, on va faire Macron de ma tête à cause de toi. Mais non, on t'a allé. Kevin.
20-30. 20-30 heures, je précise, non, je rigole, c'était pas drôle. 20-30 minutes, ouais, je pense que, ouais, voilà. Ça peut être idéal. Tu ne peux que penser. Après, oui, je peux que penser. Alors, moi, minimum 15 minutes. Et la fin est jusqu'à, il n'y a pas de temps en fait. Tant que le travail est fait, tant que les choses sont faites, que la personne... Le travail est fait, mais tu... C'est cul. Tant que la... chaque personne a profité, a eu son bonheur. Tant que tu t'es fait plaisir. Et que la personne... Donc 15 minutes. Non, ouais, 15 on est dans le pré, minimum, toi, là. Minimum 15 minutes. Elle a eu son okay, bonheur. Luana. Alors, ouais, je suis bien sûr, voilà. Alors... Deux heures, là. Non. Là, j'ai entendu. Après, si c'est 15 minutes percutantes, c'est 15 minutes percutantes. Mais si ça peut être 1h30, 2h percutantes. Non, ok. Alors, bah, 1h30 pour toi, c'est pour la semaine. Ou c'est par jour. Un coït. D'accord. Eh bien, du coup, je comprends maintenant pourquoi c'est bien debout comme ça. Tous les lundis. Merci, Mélie. Ah ben, bah, c'était ça, vrai. Eh ben oui. Oh là là. Eh ben, on veut pas savoir. Allons-y. Je suis comme Morgan à 45 minutes. Ouais, moi, je pense que ce sont 3 quarts d'heure. On parle d'une base de 15 minutes. On en rajoute 2 autres. C'est super. Voilà. On aurait dit qu'on fait de la pub pour à manger sur joli. Allez, 45 minutes. Au four. Oui, bon. Bien cuit. Bien cuit. Assaisonné, cuisson. Très bien. Fafa. Ah, oh. Pas d'heure. Ah, merci, voilà. Oh, non, j'ai pas... avec une heure, mais t'es relou, meuf. Pas d'heure. Alors, ça veut dire quoi, pas d'heure? Mais je pense que c'est par rapport aux dieux. Enfin, si ils se sentent en symbiose et tout, ça dépend comment ça se passe, en fait. Toi, généralement, combien de temps? Oh là là. Ouais, tu poses des questions bizarres, hein. Oh, ça va. C'est la question. Entre nous, wow. Et quelques caméras. Et quelques et 40 000 téléspectateurs. C'est pas grave. Allez. Non mais c'est vrai, c'est par rapport au dieu, enfin je pense pas que voilà, on compte pas, vous comptez. C'est vrai, si la partenaire est check-in link, ça dure 5 minutes. Ouais, voilà. Check-in link, d'accord, Tijou. Ben du coup, pour conclure ce petit débat, je pense que on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutes. Ah. Non, en vrai, sérieux. J'ai déposé non, là. Je le jure. 6 minutes. Non. C'est pas un mix, hein. C'est pas une soirée. Alors, quoi, bon, 6 minutes à vivre. J'ai des anecdotes. Allez, mon Dieu. Mais j'en ai une. Tu passes pas chez Luana, hein. Tu alors là, toi. Luana, t'en sortis là. Bon, tu sais. Y'a un sketch. Oui. Y'a un sketch. Mais il y a un émigré. Ah. Descends. Luana, 6 minutes, il ne sait pas là. Luana, 6 minutes. Tu passes pas les phases de test, tu as dit. Ah non, tu as dit check-in. Alors. J'ai une explication à cela, bien évidemment. Les 2-3 heures, c'est dans le cas où tu bon, es à la maison, machin, t'es peur, tranquille, machin. Mais j'ai entendu de l'oreille d'une femme un jour que parfois, les choses les plus courtes sont les meilleures. Ah, yeah. Pas mal. Il y a des prélits dans les 6 minutes, tu vois. Ah, mais non, là, il n'y a pas du c'est longtemps, mais. C'est longtemps, non, oui. Non, non, je reviens sur la chose. Ça dépend la situation. Oui, c'est vrai. Imagine, tu es quelque part avec ta. Tu sors du squat, là, par exemple. Tu sors de quelque part, et puis tu es bien accompagné, et puis. Le feu, c'est pas vraiment propice, voilà, machin. Ouais. Allez, je vois pas ce qu'il veut dire. Ouais. D'accord. Et c'est les meilleures 8 minutes de ta vie. C'est vrai. Le meilleur coup. Mais pour se déshabiller, on prend déjà 5 minutes. Oh, oh. On n'a pas les mêmes vêtements. Mais on va compter ça. On n'a pas les mêmes vêtements. Voilà. C'est là, mais. Et puis tu n'es pas obligé de tout retirer. Voilà. On va finir sur cette nouvelle couronne avec Lily. Oui, mais c'est faire les choses à moi. Oh, j'ai dit. Oh, ouais. Tu en es avec 45 minutes, toi. Moi, gars, si, mais. Ouais, parce que 45 minutes de déshabiller, habiller, mais tu n'as pas le seul bagage. D'accord. C'est un truc croustillant. Oh là là. On va faire un jeûne et jamais entre nous, pas sur le plateau, sur les réseaux. D'accord.
Attends, mais non, mais on sur a les réseaux. Oui, ouais. On va filmer un jeune et jamais. Entre les personnes du saut, on va vite et Momo, ça sera cool. Et bon, on va le faire après l'émission, du coup. Ah, et on va poster les réponses du jeune et jamais sur le. Ah, parce que ma maman n'a pas Instagram. Voilà. Alors, et toi, du coup. Ah oui. Mais oui. On va nous pas mal. Pas mal. Jamais après cette émission. Non, sincèrement, je pense que 20 minutes. Moi, pour moi, c'est 20 minutes. Enfin, c'est ça que tu fais en général. Maximum ou minimum. Non, minimum. 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 Et après, ça dépend. Ouais, de quoi? L'intensité, en fait. C'est vraiment l'intensité. Mais du coup, tu ne t'en pas quand tu te déshabilles. Ça prend 5 minutes. Ah, non, tu mets non. Un petit peu de quoi, en fait. Pas ça du prend tout. 5 alors, minutes. Ah, non, tu... Moi, je t'ai dit déshabille-moi. Ouais. Je rigole. Mon Dieu, tu as volé ma phrase. Aïe, 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 la pauvre si elle me regarde. Alors, du coup, non, enfin en tout cas, ça reste que c'est 15 à 25 minutes selon le sondage. Donc ça reste un peu dans les cordes de Kevin et de... Ouais. Et de Jason. Ouais. Bon, c'était sympa quand même cette petite émission. Vous avez bien aimé ou pas? Oui, c'était ouais. Génial. Morgan, t'as bien aimé? J'en perds mon micro. La fille a trouvé le truc. Ouais. Non, oui, c'est vraiment ça m'a super. Ça m'a soulevé le cœur. Merci de m'avoir invité. On peut applaudir, Morgan. L'émission est terminée, mais il reste 5 minutes. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est vraiment... Alors, moi, déjà, je tiens à dire merci à Barbie Shop pour mon cours. Ouais, je me suis dit, mais j'aime bien. Non, mais j'ai voulu embrayer avant qu'il module. J'aimerais la tâche. Donc, merci Barbie Shop pour mon haut, mon jean, mes boucles d'oreilles. Merci à Audrey pour mon make-up. Et du coup, Fatal. Et oui, la robe Barbie Shop. Très bien. D'accord, on peut applaudir Barbie Shop. Hein. J'ai très peur de toi, ma fille. C'est ça, vraiment. On peut remercier aussi Rhoda, traiteur. Oui. Du coup, on va François, bien sûr, c'est ça. On va du coup faire gagner sur les réseaux sociaux. Deux bons pour Rhoda. Et puis on remercie aussi Changer d'air. On peut applaudir Changer d'air. Alors les gars, vous avez vu, nouvelle coupe de cheveux. Le gars est devenu blond. Vous aimez bien, on va? Oui, ça va. Il y avait un blond dans l'émission aussi avant. C'est moi le premier blond, il s'est dit, vous allez vous calmer. Ça va. Alors, Morgane, tu aimes bien ma coupe? T'es beau, ça va. C'est un gros mensonge. Bon, allez, mes notices sont ils jouent, on va faire une danse tous ensemble. Ouais. Allez, on finit cette émission sur une danse. Un bel effet. Tu voulais faire un bel effet? Avec qui? Allez, fais un bel effet, Kevin. Vas-y, allez, Kevin. Bon, Tijo, venez tous. Tijo, il va faire un bel effet. Attends, je fais le tambour. Bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'on peut inviter le public? Ben oui. Est-ce que le public va venir? Allez-y, venez avec nous. Allez. Vous pouvez venir. On fait un zigzag, moi, bah. Vous faites ça, les filles. Du coup, on fait venir le public. Quoi? Allez-y, venez. On va aller chercher. On va aller chercher. Allez, qu'est-ce qui joue? Allez, c'est parti. Waba. Allez, on nous va, petit jeu. Et puis c'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4.
Et du coup, les gars, je vous donne déjà l'invité de lundi prochain. Ah bon? On aura avec nous sur ce plateau oui, les QLM. Hey et bien sûr, ils vont nous présenter leur nouveau single qui sort spécialement pour cette émission. Oh oh. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain à 20h45 sur KMT avec les QLM. En tout cas, bonsoir chez vous comme Yves Buzy. Allez, générique.